Aujourd'hui c'est le PST qui me fait pas là, c'est l'enfant qui a vraiment soif, plus moi si j'ai très peur, c'est parti. Pour la troisième année consécutive, nous revoilà au Frenzy Palace à Toreil. Vous avez vu, ça a légèrement changé. Hein. Avant, c'était stupide. Maintenant, c'est triplement fois plus stupide. Du coup, c'est trop bien. Ils ont fait des nouveautés, comme tu peux le voir derrière. Le water jump qui était déjà complètement énorme, gigantesque, où je m'étais tué il y a 2 ans. A été rehaussé, le star de 3 mètres de haut. Et le kick, maman, c'est un kick. Il t'envoie, enfin, il y a moyen. Aujourd'hui, il y aura un mec stupide qui va lancer triple flip. C'est pas moi. Aujourd'hui, je suis désolé les potes, je vais me contenter d'un double flip, ce qui est déjà pas mal. Mais en revanche, j'ai appris il y a quelques jours une petite nouveauté. Je vous le dis pas tout de suite, vous le découvrirez au cours de cette vidéo, la nouveauté que j'ai appris. Mais soit je me fais un gros plat d'eau et je me bute, soit ça passe, ou soit je me prends un... Ouais, j'ai plus de gosse plus tard. Bah rentrons, hein. Découvrons ce nouveau terrain de jeu. La nouveauté de cette année qui vient tout juste d'être ouvert, c'est ce truc de château gonflable. Je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est un parcours sur l'eau. Là-bas, t'as une sorte de grosse rampe d'élan gigantesque. En gros, tu sautes du haut avec des sortes de surf et tu fais du plat glisse sur le ventre. C'est incroyable, c'est trop stylé. J'ai testé ça tout à l'heure. Ça te procure des sensations, c'est incroyable. Instant promo, est-ce que je vous ai dit que c'est lunettes Pit Vipers? Ça se trouve sur ma boutique en ligne, le lien se trouve dans la description. Regarde le surf tout là-haut, là. C'est gigantesque. Filme pas l'endroit ici, là. Filme pas cet endroit là-bas, c'est des mauvais souvenirs. S'il te plaît. Ah, ouais. Il s'est passé. Il s'est passé que j'ai perdu une boule, mais tranquille. Tada! Tu vois tout en haut là, il y a un cône. Ils ont construit ça le Frenzy, sauf que c'était tellement dangereux qu'ils vont fermer aux gens. Il y a que les pros qui ont le droit d'y aller. Je suis un pro ou pas? Ah, il y a un vélo qui s'élance. Let's go. Bon bah c'est parti, je vais me protéger et on va se lancer à la mort, let's go. Voilà, protéger, regarde Kin si tu me vois. On n'oublie pas les chaussettes de Mac. Pour les personnes qui se demandent pourquoi tu te mets des protections alors que tu vas sauter dans l'eau, c'est quand je serai lancé à 8 mètres de haut et que j'atterrirai à plat ventre sur l'eau, je serais bien content d'avoir ma dorsale et protec. Moi je peux te dire mon copain, je pense que je vais commencer tranquillou bilou par un petit barrel roll. Puis ensuite on fera quelques petites folies mais vraiment dans le chill pour tâter la rampe, voir comment elle se lance et on va éviter de tuer du monde parce que là-bas il y a du monde. Je me souviens l'an dernier, j'avais fait une sur-hauteur bacule, j'ai lâché le vélo et limite il a failli bon, ça va, il est tombé avant dans l'eau. Mais cette année pour une fois j'ai pas un vélo décathlon mais un vrai bike. Yes. On va partir de cette courbe et si on est chaud de tout là-haut. Avant c'était on partait d'ici et ils ont rajouté cette hauteur. C'est stupide la hauteur que c'est et la rampe à ce qui paraît elle est plus kickée qu'avant. Et la compression entre la descente et la rampe elle est vénère. Ah shit. Et le vent il fait peur hein. Oh, le premier saut de Sartek. Nope. C'est papier, pourtant je suis grand. La dorsale est réussie à protect. Elle te permet. Elle te fait pas sauter. La compression elle est vénère hein. Je m'attendais pas à autant de compresse. Pour le flip Superman. J'ai rien dit. Mais pour le double flip d'où je suis parti, il y a moyen. Écoute, là je vais faire un flip canne. En fait, je vais lâcher un pied, je vais le mettre sur le côté du canne. Ouais. Et comme ça, le fait de faire cette figure, ça va ralentir ma rota. Là, je suis vraiment atterri en sur rota. Oh shit, here we go again. Ah ouais, j'ai arraché la dorsale, merde. Le choc était trop violent. Heureusement que j'avais ma dorsale, sinon je me serais tué. En vrai ça va, c'est juste une pièce en plastique qui s'est arrachée. Sinon tout le reste ça se change. Mais chier, putain, j'ai plus de dorsale. Maintenant c'est ma bite et mon couteau. Bon, la dorsale n'est pas cassée en fait, c'est juste les vis qui se sont arrachées. Donc je vais demander des vis à Eric Serpentec. On va la réparer et on vous la mettra dans une de vos commandes. Vous avez jusque mardi soir pour commander sur ma boutique en ligne afin de gagner cette dorsale. En tout cas, si vous arrivez le même problème, je vous rassure sur le site d'Eric Serpentec, vous avez toutes les pièces détachées des dorsales. N'oubliez pas, mais il y a toujours 10% de réduction sur tout le site d'Eric Serpentec avec le code SORIO22. Et si jamais je viens de négocier avec Eric Serpentec pour vous faire gagner l'une de leurs dorsales, ça se passe sur mon compte Instagram, le lien se trouve dans la description. J'ai plus envie de faire un double film maintenant. T'as eu peur? Mesdames, messieurs, il est 19h, le Best Tricks doit bientôt commencer. Comme chaque année, il y a les Trotty Riders, les BMXers dont je fais partie. Et puis à la fin, le concours de plongeon. Et pour, bien évidemment, comme chaque année, terminer avec le Best Plat. Donc on commence tout de suite par les Trotty Riders. Maintenant, les Best Tricks. Ça part en méga lâcher de viande. Ils vont partir de Toulon. C'est la première fois qu'un mec en trottinette va le faire. Allez! Franchement, les gars, c'est vraiment pas facile. Donc, la fin de la courbe, tu prends une compression dégueulasse. Et en plus, t'as un saut en step down. Donc, on a l'habitude de plutôt faire des sauts en step up pour nous produire. On reste en step down, on s'habitue, c'est vraiment pas facile. Ça, c'est
c'était impressionnant. Et vous l'attendiez bien évidemment, les best crash. Ça me fait trop peur les trottinettes, c'est que ça part dans tous les sens et à tout moment ça se retourne dans leur machine et tout. YouTube, me démonétisez pas s'il vous plaît. Je sais que c'est très violent à regarder, c'est réalisé par les professionnels. Trop de personnes se faire des deuxièmes coups de balle d'affilée, ça me reprendit un peu pour ce que j'ai envie de faire après. La rampe est encore plus kickée qu'avant, la prise d'élan est encore plus haute, donc t'atterris encore plus haut dans l'eau. Ça fait mal. C'est de l'eau, oui, mais à cette vitesse, ça devient vraiment un mur en béton et quand tu le prends dans la tête, ben ça te sonne. Là, il est dans une autre planète. Là. Voici tout en haut, au plus près des riders, on va aller voir. As-tu un mot avant ta mort? Je m'en bats les couilles, on y va! Si tu tombes pas, c'est que t'engages pas assez. C'est le principal, il a pas mouru. Venez au Frenzy Palace, c'est trop bien. Tous les ans, Best Tricks. Et puis venez avec vos popcorn, parce que ça vaut le coup. Ils veulent vraiment le plaquer le trip là. Bon bah c'est parti, c'est à notre tour, les BMXers de se lancer. Est-ce que je suis prêt? La réponse est définitivement non. Il y a le premier BMXer qui va se lancer. Va-t-il se lâcher autant que les trottiriders juste avant? En fait on est bien ici, on a une belle vue. Je vais pas rouler, je vais les regarder, c'est bien. Je vais vous commenter là. Non, c'est pas possible. On veut que tu roules hein. On a un deuxième coup de balle pour ce monsieur-là. Bon les potes, c'est à moi, let's go. Hey, l'eau, elle est chaude ou pas? Je suis un peu frileux. Je me chie dessus. C'est bon? Ah! Il s'est entraîné cet hiver, le Pierrot. Ça, ça me fait plaisir, mec. Ah, double flip validé. Maintenant faut le faire sur le dur hein. Sur le dur ça arrivera très bientôt normalement. Ça arrivera cet été ou cet hiver. Mais ça arrive très bientôt je vous le jure. Double flip pour le gros vélo. En dirt. Là ça va être plus haut que je t'ai dit avant. C'était le Superman le plus dégueulasse de la Terre. On va essayer de le profiter, c'est pas stylé mais wow, ça fait flipper. Guess I let my feelings take control. Guess I let my feelings take the wheel. Guess I let my feelings take the wheel. On va partir en même temps. Allez par là. It was back in legacy but when I did it I just wish I could forget. Ah, j'ai sauvé une tatane. Oh. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, je me suis niqué. Ouais. C'est parce que je vous aime les abonnés, mais là je suis en train de souffrir. Je perds l'autographe. J'ai encore mal. Ah, sur le dernier saut, le barrel roll. En fait, j'avais pas vu, mais cette rampe là, tu vois la rampe de plongeur. Bah, quand j'allais balancer mon barrel, j'ai vu au dernier moment. Et du coup, bah, j'ai pas envoyé ma rota. Parce que j'avais peur de me le prendre dans les côtes. Du coup, j'ai tourné ma rotation au ralenti. Je suis atterri sur la côte là. J'ai cru que j'allais mourir dans l'eau. J'étais là en bas. Et là, comme tu viens de le voir, c'est la catégorie plongeur qui vient de s'élancer. Je vais vous mettre les meilleurs tricks. Elle en plus supprimée.
êtes très bien. Vous voulez voir les meilleurs plats, alors les voici. Ne me remerciez pas. Simple, efficace, voilà. Mais il nage, il est vivant. Hein. Bonne journée. Ah non, mon gars, tu vas le faire. Ah non. Pierre Sorio, ce gars, ah non. Mais il va le faire. Pierre Sorio va faire le concours de plat. C'est la meilleure, elle. Ouais, c'est elle là. Elle là. Tu jettes, arrive au bout. Quand t'as la tête qui sort, tu remontes. Je me suis chié dessus, mais vraiment. J'avais jamais fait la même chose. J'ai fait un match. J'ai arrivé. Allez. Bon les gens, on part sur la 6. La plus grosse. Ah, oh,